avec mon mari, je viens depuis 2003. Notre fils est venu sur le domaine avec nous, alors lui s'occupe d'en bas et nous on est ici. Ma maman, elle est très active, elle ne peut pas rester 5 minutes sans rien faire. J'ai de la chance aussi de l'avoir parce que c'est vrai que mon papa ne pourrait pas faire tout seul. On est monté plusieurs fois pour préparer les parcs, pour préparer le chalet. Mais on est toujours content quand on y reste, quand on dit on n'a plus besoin de descendre. Juste enlever les boules. On accroche l'autre en face. Ah. Voilà. Il y a un bout. Ça y va. On a la bonne hauteur là. Mon père, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est très travailleur. Bah pour moi, je pense que c'est le meilleur employé que je peux avoir parce qu'il a été son patron toute sa vie et puis maintenant, ben, c'est moi le patron. Entre le déplacement du bétail, remettre la traite en place à la montagne, mettre tout ce qui concerne la fromagerie, après c'est Jean-Luc, le fromager, qui s'en occupe. C'est le début d'une nouvelle aventure, je dirais, la montée. Moi, je suis en train de préparer la fromagerie. L'herbe est magnifique. Je pense que... Enfin, je ne vais pas me mettre à la place d'une vache, mais ça doit être assez appétissant pour elles. Et puis, je perçois un peu leur plaisir de se retrouver face à ces beaux verts pâturages du Jura. Puis voilà, on a plein de boulot pour la journée, mais aussi plein de beaux moments à passer, parce que bah, c'est un peu la fête, hein, quand même. C'est ce qui nous reste. Depuis quand vous montez ici? Depuis 57. Ça fait beaucoup d'années, oui. C'est merveilleux, quoi. C'est vraiment un coup de cœur. Hein. Mais, et plus je viens, plus ça s'accentue. On avait des vaches qu'on traisait, et puis j'avais mis le domaine à mon fils. Il a pu avoir tout un troupeau de limousins. Ça m'amène que je peux continuer à venir à la trélasse pour m'occuper du bétail, parce qu'il n'y a plus besoin de traire. C'est plus une contrainte aussi dure que quand on traisait. Il n'y a pas le taureau, mais il y en a quand même ouais, une bonne cinquantaine. Bon, depuis que j'ai rencontré Jacqueline, alors vraiment pour moi c'est un bonheur quand on peut monter. Ouais, c'est bon, c'est ok, hein? Je vais les laisser comme ça. Continuons. Moi j'ai été divorcé et puis après on a fait un voyage. Et puis on s'est rencontrés les deux dans ce voyage. Puis il y a eu vraiment le coup de foudre, comme on peut dire.
même à autant d'un côté que de l'autre. Alors c'est quelque chose de merveilleux. Puis c'est, moi je pensais plus que ça existait, que ça pouvait arriver, quoi. Dans le bus, j'ai vu Eric. Puis j'ai dit à ma copine, hey, regarde le voir, celui-là. Alors, tu peux être sûr que je vais le draguer. Hein. Puis ça a marché, puis ça a mordu à l'hameçon. Moi, je m'étais juré que je ne recommencerais pas. Moi, j'étais veuve, et puis vivre toute seule, non, c'était pas mon truc. Moi, j'aime bien partager, discuter. Je me voyais pas tous les soirs avec un tricot ou regarder la télé, non. C'est pas ça. C'est pas ça, la vie. Ouais. Non, c'était quelque chose de merveilleux qu'on a vécu. Ouais. Et puis qu'on vit. On vit encore. Ouais. Laisser 2-3 jours. Alors, 14... Oui. 14-22. Il y a le temps. Léopold, qui doit faire donner 800 kilos. Il est très gentil, en tout cas, pour le moment. Ouais. Il est vraiment très calme et tout. La semaine passée, il a boité 2 jours et puis ça a passé sans qu'on fasse rien. Je pense que, quand il a sauté sur une vache, il s'est un peu foulé le pied, quoi. Il a mal réceptionné, ouais. Qu'est-ce qu'il faut ? Il y a déjà plus cet après-midi. Je m'appelle Marc Ravenel, éleveur, agriculteur à Trélaire. Les petits veaux, ils viennent beaucoup plus que l'année dernière, alors, de toute façon. Oui, ils ont bien pris l'habitude depuis le début. Oui, oui. Moi, j'ai de la chance, c'est mon père qui monte comme berger. Et puis, 1 à 2 fois par semaine, je viens faire un petit pointage, leur dire bonjour, surtout déjà. Enfin, c'est vrai que ça fait 4 mois qu'on passe sans eux. Puis là, du nouveau, il y en a un qui ont vêlé, mais... Oui, il y en a une qui a vêlé, la 944. La veuve. Mais bon, elle ne veut pas venir. Mais je pense que tu peux laisser les vaches jusqu'à la fin de la semaine, ce côté. J'ai pris le virage en 2006. De partir sur les vaches allaitantes. Je pense que si on aurait encore des vaches à traire à l'heure actuelle, ils ne monteraient plus. Là, maintenant, c'est vrai qu'il est bien là, avec ses vaches à la montagne. Il aime ça aussi, le contact avec les bêtes, mais différemment que de la traite tous les matins. Cet aspect contraignant de la traite, le matin et soir. Alors, il est 5 heures, je vais aller chercher les vaches dans le pâturage. Voilà, elles sont là, les petits yeux qui brillent. Reste là, Paulon, viens, on va en haut. Allez, allez, hop, hop, hop. Hé, les gamines, on y va là. Hop, 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 hop. Allez, 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 hop, hop, hop. Allez, allez, hop, hop, hop. Allez, allez. Allez, Rani, hop. Allez, hop, hop, hop. Tu es gentil, toi. Et toi, tu vas où? Hop. Voilà. Et bien maintenant, je vais aller rejoindre Luc pour lui aider à traire. Hop, hop.
on a le plaisir de voir notre lait, c'est la finalité, quoi. C'est pas, on traite, il les part, là, on traite, on a le lait, on travaille, jusqu'à avoir un produit fini. C'est ça qui est intéressant. C'est magique. Je veux dire, avant, c'était des petits grains dans une chaudière, puis maintenant, c'est des meules quelques minutes après. Voilà. C'est mon boulot. C'est de ça que je rêvais pour ma retraite. C'est dur, mais c'est magnifique. C'est surtout ça. Alors oui, c'est vrai que physiquement, il y a des moments un peu intenses comme ça, mais c'est ce qui me manquait. J'ai commencé ma carrière de fromager sur un alpage, pas très loin d'ici, enfin la vallée de Joux. Et puis, après, les circonstances de la vie ont fait que une famille, des enfants, etc., et, bien sûr, une épouse. Et puis, on s'est établi dans une fromagerie de plaine à l'année. Mais j'avais toujours dans l'idée de retourner un jour à l'alpage pour finir ma carrière. Quand je suis autour de ma chaudière, c'est voilà, j'ai l'impression d'être, plus qu'heureux, de planer un peu des moments. Au lieu de mettre du sel dans le pâturage, moi, ça me fait un contrôle aussi quand je les vois rentrer. Je vois s'il y en a une qui boite ou s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On peut bien voir comme ça. Mais c'est surtout de les apprivoiser le plus possible. Qu'on ait du contact comme tout le temps avec. Ce qui est primordial. Justement, il y en a beaucoup qui ont cru, parce qu'ils ont des vaches allaitantes, qu'on n'a plus besoin de s'en occuper. Puis là, elles reviennent à l'état sauvage, pour dire. Hein. Nous, on commence pas avant 7 heures. Parce que, ce matin, c'était 7h moins quart quand elles sont arrivées les premières. Le bétail s'adapte au soleil, quoi. Quand le jour vient. Encore une qui sort. Bon, après un bon petit déjeuner, hein, on pourrait quand même se bouger. Ouais. Tu fais attention à pas glisser parce que, avec la rosée. Il faut nettoyer tout le pâturage. Alors, il y a des chardons, il y a de la verâtre. Bon, là. Puis c'est une plante qui est vraiment nocive pour le bétail, la verâtre. Mais à présent, on travaille un moment de matin, puis l'après-midi, alors on essaye de prendre du bon temps. À notre âge, il faut quand même aussi respecter qu'il faut être un peu. Tranquille, quoi.
Voilà, viens tout petit, viens là. Viens Coco, viens. Là, là, là. Pauvre bébé, tu t'ennuies? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de gens qui trouvent que c'est trop moderne comme alpage. Ça fait pas très alpage. Et bien sûr, ça a été construit en 2013, toute l'installation. La cave où nous sommes, ben, c'était même pas un chalet, c'était rien du tout. Mais le travail reste le même. C'est pas ça qui a changé, c'est simplement les outils qu'on utilise. C'est un peu comme il y a 150 ans, les écrivains comme Victor Hugo, ils ont écrit des superbes romans en écrivant sur du papier et puis avec une plume. Mais aujourd'hui, il aurait aussi un ordinateur et il écrirait aussi les mêmes livres et les mêmes histoires magnifiques. Donc ce n'est pas l'outil, à mon avis, qui va changer le caractère particulier d'un alpage ou d'un fromage en l'occurrence. C'est plutôt le savoir-faire qui va avec. C'est Nakata, Impératrice, Omega, Jorin, Mandoline, Mélis, Kilimanjaro, Nouméa, Ouganda, et la dernière c'est Osaka. On part pas souvent en vacances, alors comme ça quand on parle du nom de nos vaches, ça nous fait penser à des autres régions. On leur donne un coup de tondeuse, on raccourcit un petit peu les queues, on leur donne un coup de brosse pour qu'elles soient prêtes. Et puis c'est sûr qu'elles se salissent un petit peu, mais qu'aujourd'hui c'est un peu plus tranquille. Ça nous évite d'avoir toutes celles-là préparées en plus demain. C'est une fierté de perpétuer aussi ces traditions, d'ensnailler nos vaches, mettre les cloches, les toupins, de les décorer.
C'est la façon de marquer la fin de la saison, mais c'est une journée qui nous tient aussi beaucoup à cœur. Beaucoup d'émotions. C'est à la fois une grande satisfaction, mais aussi une tristesse. Hein. C'est la fin de quelque chose. Mais là, je sais que quand les vaches vont partir, je vais pleurer. Alors, je fais juste un petit speech. Ça, vous écoutez bien, hein? Parce qu'il y a des coups de bâton cette année. C'est ceux qui sont devant qui donnent le rythme. Donc l'idée, c'est que ce soit un troupeau par 5 troupeaux différents. Donc nous, on essaye de retenir devant, on fait ce qu'on peut, c'est pas toujours évident de les retenir. Celle de derrière, il y en a toujours qui vont moins vite, ça c'est pas grave. Après, tous les 15 mètres, il faut qu'il y ait une personne qui tienne le fil. Donc on le tient à la hauteur de la taille. Et puis il faut pas qu'il traîne par terre, parce que autrement les vaches elles passent par-dessus. Puis il faut pas qu'il soit à 2 mètres, autrement elles passent dessus. C'est la merdeuse. L'exploitant, c'est Hugo Pradermont de Givrin. Ils ont environ 90 hectares de pâturage. Ils vont descendre avec environ 60... Le jour de la Desalpes, il y a énormément de monde qui vient regarder le passage des troupeaux. C'est vrai que c'est aussi sympa de descendre en même temps que d'autres collègues des alpages voisins. Je pense que chez tout le monde, c'est un jour de fête. C'est l'occasion d'inviter ses amis, ses proches à partager une jolie journée, un bon repas. Et puis je pense que pour notre métier d'éleveur, c'est la meilleure publicité qu'on peut faire. On a décoré nos vaches, on s'est donné de la peine. Et puis c'est une belle journée, je pense.